Chers spectateurs, je suis heureux de vous accueillir à nouveau sur notre chaîne YouTube officielle. Nous sommes dans le bâtiment du futur BTUI. Habituellement, le vendredi, c'est le jour où les employés de toute entreprise cherchent à rentrer chez eux le plus rapidement possible pour pouvoir faire une petite pause de week-end. Mais la société Sauvelmage, comme toujours, nous surprend. Et ce vendredi-là, nous pouvons voir beaucoup de travaux qui sont en cours. Par exemple, vous pouvez entendre le bruit d'un chariot de chargement qui roule dans le bâtiment. Allons voir ce qu'il décharge. Voilà, vous pouvez voir des meubles spécialisés qui seront installés dans le laboratoire d'essai de Sauvelmage. Il y a beaucoup de cartons avec ces meubles qui sont entreposés partout. Malheureusement, nos caméramans n'ont pas réussi à tourner le processus de déchargement en lui-même, car parallèlement, les ouvriers ont également déchargé des plaques de plâtre qui ont été amenées sur le chantier. Mais nous vous en reparlerons un peu plus tard. Ici, par la fenêtre, vous pouvez observer les travaux de terrassement qui sont en cours. L'évacuation du sol du côté gauche du bâtiment a également commencé. Là, c'est l'endroit où nos ouvriers peuvent faire leur petite pause. Nous allons vous montrer une petite cuisine improvisée. C'est là que les ouvriers peuvent manger et se reposer un peu pendant les pauses dans les travaux de mise en service de l'équipement. Mais nous n'allons pas les déranger. Allons-y. À présent, nous sommes dans le bâtiment administratif et technique et je vous propose de passer un peu plus loin. Cependant, je voudrais noter que les cloisons antérieures ont déjà été installées et d'autres travaux sont en cours dans ce secteur. Il s'agit notamment du rez-de-chaussée. Il est agréable d'observer que cette partie du rez-de-chaussée prend progressivement un aspect différent. À cet endroit, avec des colonnes, les ouvriers commenceront bientôt à créer une salle d'exposition où seront entreposés des échantillons d'exposition de nos produits. Bien sûr que des négociations et des réunions d'affaires seront également tenues là-bas. En fait, nous pourrons y organiser beaucoup d'autres événements lorsque le bâtiment sera mis en service. Notre reportage vidéo s'avère assez spontané, car tout se passe très vite. Il y a beaucoup de travaux qui sont en cours, la construction avance activement, par conséquent, nous avons très peu de temps pour le tournage. Voilà, nous allons à présent dans la partie droite de notre bâtiment pour voir le groupe d'entrée du BTUI. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous pouvez voir deux zones de travail. La première est fermée, mais nous allons essayer de l'ouvrir et de vous la montrer plus tard.
En fait, il s'agit d'une salle où se trouvent les imprimantes 3D et où fonctionnent nos équipements technologiques additifs ainsi que les imprimantes photopolymères et standards, dont la mise en service est également effectuée ici. Dans cette zone, nous allons aménager un véritable siège de construction. C'est ici que les décisions les plus importantes concernant l'exécution des travaux de construction seront prises. Ce seront les locaux temporaires pour nos ouvriers qui se sont pour le moment installés dans une cabane de chantier. Mais pour pouvoir effectuer les travaux de terrassement, ces cabanes de chantier devront être démantelées. Par conséquent, les ouvriers déménageront dans ces zones-là et continueront à gérer tous les processus depuis cette pièce. Les travaux d'aménagement des escaliers ont commencé. Nous avons commencé par l'escalier à droite qui se trouve dans la partie de production du bâtiment, mais maintenant nous n'irons pas parce que les travaux sont en cours et nous ne voulons pas déranger les ouvriers. Cependant, plus tard, nos caméramans pourront vous montrer cette zone. Je tiens à noter que dans un proche avenir, nous allons commencer à tourner des reportages du chantier plus souvent. Dmitri Duinov a dit à plusieurs reprises lors de nos webinaires qu'à présent, les ouvriers effectuent un grand nombre de travaux liés à de petites nuances. Il s'agit par exemple de l'installation des bandes de recouvrement de joints, de l'aménagement et de l'installation de murs. Dans peu de temps, nous pourrons tout vous montrer. Mais pour le moment, ce n'est pas encore aussi visible parmi d'autres travaux qui se poursuivent. Les travaux de viabilisation se poursuivent également. D'énormes tranchées sont creusées, des tuyaux y sont rapidement installés et recouverts avec de la terre. C'est agréable que le printemps soit revenu et que les rayons du soleil passent avec confiance à travers les fenêtres de Sovelmash. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube officielle. Surtout, n'oubliez pas que le rythme de la construction est directement lié au taux de financement, ce qui signifie qu'ensemble, nous pourrons vraiment achever la construction du BTOI à temps. Merci pour votre attention.